Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo test Urban Rival. Donc, en fait, je me suis dit que j'allais faire des vidéos tests sur des jeux vidéo en ligne non téléchargés, ou des jeux vidéo en ligne téléchargés, ou même des jeux vidéo sur Xbox, la Wii, quand j'aurai mon HD PVR. Donc, j'espère que mon son n'est pas très très fort. Je vais l'enlever. Donc la dernière fois, certaines personnes m'ont dit que je ne parlais pas assez fort, donc ils ne m'entendaient pas beaucoup. Donc là, je vais essayer d'améliorer ça. Donc voilà, je viens juste de recréer un compte pour afin de recréer, parce que ça fait super longtemps que j'y ai pas joué. Donc je vais redécouvrir avec vous, mais pendant juste une vidéo, à la fin, je noterai. Donc alors, on va faire cliquer ici. Alors ça nous fait un combat dès le début, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Bienvenue, je m'appelle Kate, je sors de ton, je serai ton guide, non, Urban Rival, excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu fatigué. Tes persos sont en bas, ceux de ton adversaire sont en haut, clique sur le perso qui te convient, le perso indiqué par la flèche. Ouais, mais je ne sais plus du tout parler. Donc là, vous voyez, là c'est 4, là c'est sa force, c'est 1, c'est, je vous ferai voir plus tard. Donc je vais choisir, bon, allez, 2 dégâts. Là c'est les bonus, là c'est son attaque du début, et là c'est ses attaques du bonus. Donc voilà. Donc alors, je vais faire ça. 5. Voilà. Combat. Donc moi j'ai choisi celle-là. Donc après, c'est à Kate de choisir. Kate, ça va être celle qui va être votre guide pendant vos débuts. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire le combat du début. Hein. Moi, après, je vous le conseille au cas où si vous avez jamais joué. Même si vous avez regardé ma vidéo, vous avez à peu près compris, je vous conseille quand même de le faire. Donc voilà. Voilà, donc ça, le truc rouge là, ça là, le numéro où il y a marqué 1. C'est ce qui correspond à ceux indiqués sur la carte, ces dégâts en fait, voilà. Donc ça retire des points de vie. Après les petits cœurs là, c'est les points de vie qu'elle a. Au début on en a 12, chaque début de combat. Et ça c'est nombre de pills, ils appellent ça, oui, des pills. Et en fait vous pouvez les attribuer à un personnage pour combattre et pour regagner plus de puissance, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc alors je vais choisir elle. Voilà, donc là, par exemple, là je vais en choisir 3. Ça me fait 16 de dégâts. Et là, 2 dégâts de plus parce que c'est son bonus. Voilà, donc après, elle va choisir Lucy. Après, vous avez des sous, des cleans. Des cleans, oui. Et ça vous sert à acheter des personnages dans... vente aux enchères, moi j'achète là puisque c'est vente privée, non, vente aux enchères, voilà. Donc là vous allez dans la liste, si vous voulez en vendre, vous faites créer une vente aux enchères, etc, etc. Après moi je dis ça va tout seul, hein, c'est facile. Si vous aimez bien les jeux de, surtout de cartes, des trucs du genre, je vous le conseille. Après on va voir ensemble s'il y a des nouveaux trucs, parce que c'est un moment que j'ai pas joué. Et à la fin de cette vidéo, je mettrai une petite note. Mais bon, je pense que sur toutes les notes que je ferai, je pense que je ne serai pas sévère du tout. Donc là, vous voyez, par exemple, ils ont chacun un type. Et en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne les connais pas tous. Hein. Voilà, donc là, vous avez tous, il y a All Star, etc., etc. Vous avez juste à aller voir, il y a même les nouveaux personnages et tout. Donc là, je vais faire mon dernier combat. Hop, là, voilà. Donc là, j'ai gagné obligatoirement, puisque lui, il en 10-15 à chaque fois. Et bim. C'est le surf. C'est le surf de la mort. Voilà, donc là, je suis passé niveau 2. Au niveau là. Je trouve que la cinématique, elle est bien bien faite. Là, après, vous voyez les personnages, l'XP qu'ils ont gagné. Donc lui, il lui reste pas beaucoup d'XP. Enfin, en fait, ils ont gagné tous le même nombre d'XP.
Voilà. Donc voilà, hop là. Ok. Donc alors, moi je vais aller voir ma collection. Ça, c'est où il y a toutes les cartes, enfin toutes vos cartes. Voilà, donc là c'est toutes vos cartes. Moi j'ai choisi le pack dur à cuire ou un truc du genre. Donc là voilà, vous pouvez les vendre ou alors faire des up. C'est-à-dire les monter de niveau vous-même quoi, mais en payant. Enfin je crois que c'est en payant. Je vais tester, c'est lequel le plus fort pour l'instant. Ouais, je vais tester sur lui. Hop. Hop, j'ai dit. Oui, voilà. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça nous a utilisé. C'est pas bien grave au pire. Après, je vais faire celui-là. Hop là. En plus, ça m'apporte de l'XP moi-même. Je suis passé niveau 3, hein, comme vous pouvez le voir. Donc lui, il est déjà monté plus haut niveau. Donc lui, il a 7 d'attaque. C'est déjà pas mal du tout. Hein. Après, je vais faire qui? Ouais, il me tente bien. Allez, hop là. Donc elle est déjà montée de niveau. Mais bon, je l'aime bien. Et voilà. Donc là, on peut pas plus la monter. On peut pas plus monter n'importe qui. Donc là, j'ai 8 personnes dans mon deck. Hein. Après, je sais pas. Donc là, voilà, là, c'est votre boîte de messagerie, voilà, etc. C'est elle, elle vous dit bienvenue, voilà. Donc là, à partir du niveau 15, vous pouvez faire le mode de jeu les plus compétitifs, Hello, Survivor et Deathmatch. Match des morts. Donc alors, on va faire un match. Vite fait, ouais, allez, on va faire un match. Et je vais essayer de gagner quelques cleans. Je crois que ça se gagne pas comme ça, je sais pas. 4-2. Bon bah je vois qu'elle va encore m'affronter hein. Mais bon cette fois je vais y aller rapidement. Hop hop, allez hop. Lui 4, combattre. Ok. Allez, dépêche-toi. Et ben voilà, allez, Lucas, vas-y. Je vais te le tuer. 40. Oh là là, fou. Fou là là, je vais te taper. Je vais pas te taper, mais tu vas mourir quoi. Oh, pas beaucoup, hein. 12 au début. Ouais. Ah, staff niveau 1. Je sais pas si ça se voit beaucoup, ouais, c'est niveau 1. Ok. Donc, tais-toi. Fury, on s'en fiche. Étant poli. Hop là, hop là. J'ai fait vite fait, hein. Après, j'aurais bien pu passer, mais c'est pour vous faire voir. Dictatiel. Ouais, je crois que c'est ça, je sais plus. Bon. Alors, presque fini. Hop là. Ok. Donc alors toi, tout se met, je sais pas pourquoi j'ai envie. Allez hop. Soyons fous, soyons fous. 6. Ouais, Morgane. Ça va encore. 16. 12. Ouais. Allez. Bim. In your face. Voilà. Bon, je suis désolé, ben là je vais perdre, c'est sûr. Par contre, voilà, hop là, il m'a enlevé 2 points de vie. Ce n'est pas bien grave. Donc là, voilà, c'est marqué hein, la petite légende. Hein. Je suis niveau 3. Pardon, c'est quoi ça? Non, ok, pas grave. Donc. Non, je suis niveau 4, pas niveau 3, qu'est-ce que je raconte? Bon, c'est pas grave. Oui, non, mais non, j'ai bon. Bon, ben voilà. Alors, je vais vous faire voir. Vente aux enchères, liste des ventes aux enchères. Donc là, voilà, c'est important. Enfin, c'est important si vous voulez acheter des mecs. Hein. Donc là, voilà, vous avez cela. Bon, bien sûr, vous allez me dire. Ouais, mais il coûte cher, etc. T'as pas assez de sous. Vous allez dans le filtre avancé. Ça va bien. Donc là, si vous voulez par exemple un personnage B ou n'importe, voilà, vous choisissez, moi j'en veux pas. Prix actuel entre 0
Accent et de Clint. Voilà, donc là après vous faites OK. Et là vous allez avoir une liste. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup moi. Hein. Bon, il n'y en a même pas. Bon voilà, il n'y en a même pas. Et si vous voulez vendre une de vos cartes, vous faites créer une vente aux enchères. Donc là voilà. Vous choisissez, je sais pas moi, voilà, lui je l'aime pas bien. Il est nul. Voilà. Puis on nous enchère. Voilà. Donc je crois que là elle est au milieu aux enchères. Je ne sais pas combien par contre. Mais bon. Voilà. Donc je crois que je vais bientôt couper. Donc là vous avez des missions, hein, mes missions, je sais pas si j'ai. Non, non, j'en ai pas. Mission légendaire, c'est quoi ça? Mon dieu, c'est qui ça? Survoler ceux qui vous attendent pour une. Ouais mais non. Là vous pouvez créer une île, ou aller en même rejoindre une île. Là vous avez le forum, des trucs à acheter, des figurines, etc. etc. Voilà, donc après là, les règles, les personnages comme je vous ai expliqué, le classement des joueurs, des meilleurs je crois. Mode de jeu, donc là c'est des tournois que je vous ai expliqué je crois tout à l'heure. Comics, c'est là où on achète des cartes je crois. Mon deck, market, c'est là où on achète aussi. Donc là par contre c'est acheté avec des sous, des vrais sous que de votre carte bancaire, voilà. Échange sécurisé, je n'ai jamais essayé. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon bah j'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. Le jeu sur 20. Bon allez. Je vais pas être trop méchant, je vais noter 12 quand même. Ce n'est pas un très bon jeu. C'est un jeu certes qui fait passer le temps, mais non. J'y jouerai pas non plus tous les jours. Mais après c'est mon avis. Après, vous pouvez très bien aimer, voilà, voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez.